Des milliers d'invités sont attendus au couronnement de Charles III le 6 mai prochain. Charles Spencer, le frère de Lady Diana, a confirmé avoir reçu son invitation. L'ancien beau-frère de Charles III n'a ni confirmé ni infirmé son présence à la cérémonie. On ne sait pas non plus si Harry se rendra vraiment à Westminster pour assister au couronnement de son père. S'il a pris la succession de sa mère en septembre dernier, Charles III ne sera officiellement proclamé souverain d'Angleterre que le 6 mai prochain lors d'une cérémonie de couronnement qui réunira des milliers d'invités prestigieux et des milliards de téléspectateurs. 71 ans après le sacre d'Elisabeth II, le château de Windsor deviendra l'épicentre des festivités royales le temps d'un week-end. Des artistes internationaux défileront sur scène pour célébrer l'événement après les solennités d'usage à l'abbaye de Westminster. Si la liste de convives ne cesse de s'agrandir jour après jour, quelques incertitudes subsistent sur la présence de certains proches de la famille royale. Charles III a-t-il prévu d'inviter le frère de sa précédente épouse, la regrettée Lady Diana? Au micro d'Offert sur Times Radio lundi dernier, Charles Spencer a confirmé avoir reçu la précieuse invitation au courrier. Je ne l'aurais pas cru, je pense qu'il n'y a que 2000 personnes qui y vont, cesse d'étonner l'oncle de Harry et William. Mais tout le truc royal, je ne le trouve pas aussi intéressant que les autres. Vous savez, je me contente de vivre ma vie. Les gens pensent que je m'y intéresse beaucoup, mais si est-ce juste un aspect secondaire de ma vie. On notera que Charles Spencer n'a pas précisé s'il honorera de sa présence la famille royale le 6 mai prochain. Les paris sont ouverts. Harry assistera-t-il au couronnement de Charles III ? Selon les échos émanant de sources bien placées, Charles III aurait prévu de rassembler moins de convives qu'Elisabeth II pour son couronnement. Le roi d'Angleterre tient cependant beaucoup à la présence de Harry et Meghan à Westminster, malgré les polémiques provoquées par leur documentaire sur Netflix et la publication des mémoires de son fils cadet en janvier dernier. On murmure ainsi que Buckingham Palace aurait prévu d'organiser une réconciliation en amont du week-end festif pour satisfaire les exigences du petit frère de William qui attendrait des excuses de la part de sa famille. Le média page 6 avance enfin que Meghan se servirait de l'anniversaire d'Archie pour s'éviter la royale corvée de faire la révérence à Kate Middleton. Il y a, encore, de l'orage dans l'air.